Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour ce tout premier épisode de cette nouvelle série sur un jeu 3DS. Il s'agit de Final Fantasy Explorer comme vous pouvez le voir à l'écran et on va tout de suite débuter l'aventure. Et, première bonne nouvelle, vous pouvez faire deux fichiers de sauvegarde, c'est-à-dire que si vous jouez avec un petit frère, une petite sœur ou même un grand frère ou une grande sœur, eh bien vous pouvez faire deux sauvegardes différentes sans avoir besoin de deux cartouches de jeu. C'est assez intéressant, sachant qu'il y a des particularités et il y a du multijoueur en fait, donc vous allez pouvoir créer votre propre personnage et du coup faire votre propre partie. Ça, c'est un très bon point. Alors, nommez votre personnage. Bon, bah, je sors mon petit stylet. Vous vous en doutez, je vais m'appeler Xeleco. La base. Ok. C'est parfait, je confirme. Choisissez l'apparence maintenant. Je range mon stylet, j'espère ne plus en avoir besoin. Hop. Alors, donc sexe, homme ou femme, hein, bien sûr. Vous pouvez utiliser le joystick pour faire tourner la caméra. Alors, je vais montrer les femmes puisque je vais faire un homme. Au niveau des coupes de cheveux, je suppose que certains désirent voir un petit peu tout ce qu'il y a. Bon, c'est relativement basique, mais en même temps, c'est comme du Monster Hunter, vous allez avoir l'armure, donc au final, la coupe de cheveux. Ça va, elles sont assez sympas pour... ouais, ça, c'est pas terrible. Ça, c'est marrant. Typique manga. On en a combien? 10? Voilà, on en a 10. Ok. Donc, maintenant, on va passer chez les mecs. Ah, les voix. Ouais. Un peu trop aigu. Ouais, truc de barbare. Ça, c'est le mec qui a peur. Bourrin. Oh, c'est chelou, ça. Il y en a beaucoup. Ça me paraît pas mal. Confirmé. Couleur de la peau. Ah oui, ça va être chaud de trouver des entre-deux. Il y a quoi ça? Ah oui, non, ça c'est de la peau rosée. Oula, d'accord, il n'y a pas de blocage, donc ça passe de l'un à l'autre. Allez, on va dire que je suis pas totalement rosé, ça me paraît bien. Visage. Ouais. Ouais. Oula, on dirait un mi. Oh, ok. Ouais, bon, c'est vraiment limite, limite. Hein. Les yeux bleus, ça me convient. On confirme. Et la coiffure. Donc, chez les hommes, ça, non. Ou ça, c'est moche. Non plus. Encore moins. Ça peut être stylé. Non, non. Ah, c'est moche chez les hommes. Oh. Bon, bah, c'est vraiment primaire de chez primaire. Du coup, c'est très très moche pour les hommes. Je crois que celle qui me convient le mieux, c'est la 5. Bah, écoutez, on va faire ça. Alors, par contre, les réglettes, c'est génial. Parce que je vais tout de suite faire des cheveux noirs. Et c'est ce que j'allais dire. Parce que quand on a des réglettes, vous voyez, là, j'ai les cheveux noirs, noirs. Mais du coup, vous pouvez mettre des reflets. Comme vous gérez les trois types de couleurs. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que je vais aller sur du reflet, étant donné que je vais jouer un assassin un petit peu violet. Ça m'a l'air pas mal du tout, là. Ça change quelque chose, ça? Ouais, ça éclaircit trop, c'est pas la peine. Donc ça, je vais le laisser noir. Et bah, comme ça, ça m'a l'air pas mal, les amis. Peut-être un peu trop violet, maintenant. Juste des petites touches. Voilà, couleur nuit, moi j'appelle ça la couleur nuit, c'est pas mal du tout. Je vais en faire un petit peu plus de noir quand même, juste quelques petites mèches. Là, ça me semble pas mal, je confirme, et du coup on est bon pour le début. Voulez-vous sauvegarder? Oui, bien sûr. Et c'est parti pour l'aventure. Alors, pour ceux qui se demandent quel type de jeu c'est, c'est vrai qu'on le compare à Monster Hunter, sauf que la comparaison est un peu grande parce que c'est pas un Monster Hunter. Ah, cinématique, je vais me taire.
Ah, c'est moi! Au départ, je croyais que c'était moi qui tombais du ciel, mais what? Alors ça, c'est Bahamut, hein, je le suppose. Ok. Donc, petite intro. Alors, on va arriver sur une ville, je suppose. Voilà, je m'en doutais. Non, attends, what? Je combat ça? Je défonce Bahamut d'entrée? Ouais, ça me va, moi, comme programme. Alors, attaque normale, Y, se déplacer, patte circulaire. Bouton B plus patte circulaire, c'est pour courir. Courir coûte des PT, donc des points de technique, qui remontent automatiquement si j'effectue des attaques normales. Ok, et... Je peux pas tourner le... Fuis! Tu dois partir au plus vite! Toi, dans la grotte, tu dois quitter ce lieu, ce monstre, c'est Bahamut, et tu ne fais pas le poids! Appuyez sur le bouton A, une fois au point de contrôle, appuyez sur le bouton A. Caméra, ok. Avec le pad circulaire pro, pad circulaire droit. Le pad circulaire pro doit être configuré à partir de l'option paramètres du menu principal. Ah, c'est peut-être ça alors. Paramètres. Ah oui, donc, ok, sauf que ça ne met pas pause. Et que je suis en train de me faire défoncer. Tourne ta caméra comme tu peux, Xeleko. Faut se casser. Ok, c'est bon. Je reviendrai, t'inquiète, équipé. Tu l'as échappé belle. Ton adversaire était Bahamut, l'Édolon qui domine les cieux. Alors il y en a 12, hein. D'ailleurs vous pouvez en voir certains dans le fond, notamment Ifrit, l'un des plus connus de l'histoire de Final Fantasy. Tant qu'il sera là, tu ne pourras pas t'approcher du grand cristal en aéronef. Va reprendre des forces au village un peu plus loin, tu y seras en sécurité. Mon nom? Je m'appelle Surama. Qui sait si nous nous reverrons? Adieu. Ok, ton stuff est stylé, tu vas me le prêter toi? Donc la comparaison avec Monster Hunter, c'est juste que vous allez remplir des quêtes après des quêtes et des quêtes qui vont vous demander de chasser des monstres. Et en tuant les monstres, vous allez récupérer donc des items de craft et vous allez vous faire de nouvelles armures. C'est le seul point de comparaison que vous pouvez avoir avec Monster Hunter. C'est la première fois que je te vois, tu veux explorer l'île? Enchanté, je m'appelle Ludio, je suis un explorateur de Libertas. Pour trouver du boulot, il faut s'inscrire à la guilde, leur bureau est là-bas, près de la place. Tu verras un gros moustachu devant, c'est leur boss, il pourra te renseigner. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, suffit de me demander, je suis là pour ça. Ok, donc on y va. On voit le point, il est là, parfait. Bienvenue à la guilde des explorateurs de Libertas, je m'appelle Sid, je gère ce comptoir. Mon nom te dit quelque chose? C'est parce que j'étais un explorateur jadis. Tu imagines bien que t'es pas la seule personne à vouloir conquérir le grand cristal d'Amostra. Ce cristal, c'est le rêve de tous, mais la réalité, c'est des tonnes de monstres à combattre. Tu as sûrement confiance en toi, mais nous, on aimerait tester tes capacités. Si tu obtiens un certificat, tu pourras rejoindre la guilde des explorateurs pour bosser à Amostra. Demande à Marie au comptoir, elle t'expliquera comment ça marche. J'ai hâte de te voir passer le test pour que tu puisses travailler. Ok, nouvelle quête de tutoriel, parfait. Bien le bonjour, ici, c'est le comptoir des quêtes de la guilde. Bon, ça, vous connaissez. Les nouveaux explorateurs doivent obligatoirement obtenir leur certificat de base. Si tu as une mission, tu peux quitter le village. Bon courage. Ok, donc quête tutoriel. Certificat de base, vaincre 10 monstres. Ok. J'ai accepté une quête. Et j'ai un drapeau au-dessus de ma tronche. Et j'ai une quête là-bas. Je t'ai venu discuter avec le gros moustachu. Tu comptes devenir membre à part entière de la guide des explorateurs d'Amostra? Si tu as des questions, n'hésite pas à interroger un pro comme moi. Je veux pas mêler tes affaires, mais je suis là si t'as besoin d'un renseignement. Ouais, non, on verra bien. Et on trace. Et explorer, yes! Bon! Pourquoi c'est le seul point de comparaison que vous pouvez faire avec Monster Hunter? Parce que, ok, la chasse aux monstres va se faire d'une manière un petit peu plus MMORPGique, si je peux dire ça comme ça. Alors, ok. Vous perdez connaissance si vos points de vie tombent à 0. Vous pouvez dépenser du temps pour sortir du coma et poursuivre la quête, d'accord? Mais attention, si vous dépassez la limite de temps, la quête sera un échec. Ok, logique. Parce que ce jeu est un petit peu plus un genre de mini MMORPG 3DS, dans le sens en fait où déjà vous jouez des classes qui ont des compétences, notamment 8 compétences par classe. Si je dis pas de bêtises, il y a 23 classes diff... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé l'inventaire. Et... Oh ouais, il est en train de me défoncer là. Ok, monstre éliminé, 9, c'est parfait. Et, ah bah je peux ramasser, j'ai spammé comme un bourrin. Alors, par contre, faut que j'aille au critique là. Les compétences sont des attaques spéciales magiques ou armées. Lorsque vous êtes à Libertas, choisissez celle à utiliser au combat. Et donc,
Ok. Ça coûte de la PT. Il n'est pas disponible d'utiliser une compétence deux fois de suite. On appelle ça le temps de pause, le délai d'utilisation. La résonance, qu'est-ce que c'est? Renforce les compétences utilisées dans un court laps de temps. Enchaîner les compétences afin de l'accumuler. Plus la résonance est élevée, plus l'impact de chaque compétence sera important. Ouais, on voit qu'avec 100 de résonance, tu fais 679, avec 400, tu fais 820. Quoi. La résonance augmente quand une compétence blesse un ennemi ou soigne un allié, donc c'est important. Elle baisse automatiquement si aucune compétence n'est utilisée. En mode multijoueur, vous partagez votre résonance, augmentez-la en collaborant avec les autres joueurs. Ok. Alors par contre, je vais voir dans les paramètres s'il n'y a pas augmenté la vitesse du texte. Affichage normal. Ah voilà, rapide, très rapide. Ok. Ah, oui. Test de la connexion. Si le pad circulaire pro est inactif, appuyez sur le bouton ZL ou ZR. Ensuite, appuyez sur le bouton A. ZL, ZR, c'est quoi? Eh, c'est ça. Ok, ensuite, appuyez sur le bouton A. Vous pouvez invoquer et importer un nombre limité en mission avant de partir pour une quête. Votre inventaire stocke automatiquement le nombre maximum de G. Ok, X et le bouton A pour activer et le bouton B pour fermer. Ok, je confirme. Connexion. Ok. Alors j'utilise une New 3DS pour ceux qui se demandent. Ah, what? Ouah, c'est méga tactile. D'accord, c'est la première fois que j'utilise ce pad et... Oula, j'ai le doigt qui sue un petit peu, va falloir que je m'habitue. J'arrive mieux à appuyer par là, appuyer... Ok, va falloir s'habituer, mais je pensais qu'il fallait l'enfoncer comme un bourrin, le truc. En fait, non! T'as juste à genre mais faire une mini-pression d'un côté, et ça passe plutôt bien, va falloir que je m'habitue avec ça. Alors pour ceux qui n'ont pas de pad circulaire pro pour les caméras, etc., pas d'inquiétude. Petite touche R vous permet de lock et du coup de toujours garder la cible en vue. Et comme ça, vous n'en avez pas besoin. À la limite, avec la flèche, vous pouvez ajuster les hauteurs et switch des cibles. Donc, j'ai une compétence en taille lunaire que je vais utiliser. Et ça one shot ! L'inimité engendré par Xeleco augmente. Ok. Donc, je verrouille le prochain. Bon, attends, je vais tous faire ça si ça les one shot. En plus, la résonance, ça monte. Donc, on voit que la résonance là, ça diminue, elle, ça clignote. Et ça retombe petit à petit, donc ça va, on peut en cumuler pas mal au final. Donc, ok, monstre éliminé là-bas, il y en a. Donc là, c'est très très simple. Je suis donc la classe de toutes les Final Fantasy quand vous commencez. C'est ça doit être genre le freelance, un truc comme ça, freelancer. Et faut savoir que ça, cette classe, si je dis pas de bêtises, en fait, vous allez pouvoir cumuler les jobs, hein, parce que ça, c'est proche à Final Fantasy. Et la différence avec Monster Hunter, c'est le côté MMORPG, c'est que quand vous allez faire un boss, un Edelon ou autre, en fait vous allez avoir besoin de constituer un groupe, c'est-à-dire un tank qui est capable avec son bouclier de parer, d'encaisser les dégâts. Vous allez devoir avoir des DPS, je pense à des assassins, des mages noirs par exemple pour les dégâts élémentaires. Et en contrepartie, vous allez également avoir besoin de tout ce qui est mage blanc pour le soin. Et à la limite, si vous avez aussi... un mix des deux, c'est le mage rouge hein, dans Final Fantasy, bien sûr, qui est assez connu, puisque vous pouvez avoir et des attaques des mages noirs et des soins des mages blancs. Alors, pas autant qu'une spécialisation, pas autant qu'un mage noir et pas autant qu'un mage blanc, mais ça fait quand même un hybride des deux. Donc ça, il y a, je crois, 23 jobs différents. Je sais pas encore, pour l'instant, il faut que je joue, hein, je découvre, vraiment, c'est les premiers pas que je fais. Et je crois que c'est bon, encore un, il y a un bombo là-bas, on va y aller. Est-ce que c'est un genre de boss ou pas? Je ne sais pas du tout. Ah non, c'était n'importe quoi aussi. Ok, donc on va récupérer ça et j'ai validé la quête. Parfait. Et je ne peux pas ramasser. Ok, je ne peux pas ramasser. J'appuie sur Start. Donc voilà, constituer un groupe prédéfini, DPS, healer, tank, ça va être très très important dans ce jeu. Alors, point de compétence 719, 100 giles, 50 PC, des items, ok. J'ai récupéré 308 giles, pas mal. Donc voilà, là, finalement, la comparaison avec Monster Hunter n'a pas trop lieu d'être fait. Je pense que c'est d'ailleurs même le premier MMORPG sur 3DS, si je ne dis pas de bêtises, dans ce style. Et c'est quand même le premier jeu que Square Enix sort dans ce sens. Alors certes, je pense qu'il ne va pas être parfait, clairement. D'ailleurs, les textures sont assez dégueulasses. Hein. Pauvre 3DS, t'as souffert.
T'as l'air de maîtriser les bases, reste à voir comment tu te débrouilles avec un flux cristallin. Comme tu le sais, faut un cristalliseur pour gérer les flux cristallins. Les cristaux permettent de changer les lois de la nature et de créer des phénomènes inconnus. Personne ne sait vraiment comment ça fonctionne, mais au combat, les cristaux sont sacrément utiles. Va voir Marie au comptoir, elle te fera passer le certificat de flux cristallin. Ok, nouvelle quête, moi je prends. Alors bien sûr, il y a d'autres armes, hein, l'arc, le marteau, des trucs comme ça, bien sûr, pour chaque classe, les pugilats. On devra les crafter, vous craftez également votre équipement, vous pouvez mixer les items pour avoir l'apparence que vous souhaitez. On y va, j'aime pas sa démarche de courir, pardon, c'est chelou. Bon, pour ce début, pour l'instant, ça commence tranquillement, c'est pas très compliqué, le tutoriel est assez simple. Voir le flux cristallin, maintenant ce que c'est. Attaquez vos adversaires en enchaînant des compétences pour augmenter votre résonance, localiser et verrouiller les cibles proches en appuyant sur le bouton R. Finalement, j'utilise pas trop le pad circulaire, hein, le bouton R est très très efficace pour ceux qui n'ont pas de pad circulaire ou même de New 3DS. Maintenez votre résonance à 100 ou plus et enchaînez le plus de compétences possible pour activer un flux cristallin. D'accord. Quand un flux cristallin est disponible, maintenez enfoncé les boutons L plus R pour voir le menu des flux cristallins. Et après, donc, on a deux nouvelles sorts. Donc apparemment, je suppose que c'est des genres d'attaque ultime. Donc on a 8 compétences. Et je pense qu'on a peut-être une attaque ultime, peut-être 4, je ne sais pas. Oh, ça vous a fait mal, ça. Donc là, on a plus de bonhommes, clairement. Ok, je vais quand même ramasser tout, faut pas déconner. Oh, ça ramasse vite, ça c'est bien, bon point. 72. Ok. Bon, pour l'instant, ça one-shot, ne vous inquiétez pas. Je pense que les monstres vont obtenir un niveau supplémentaire. Parce qu'on va pas one-shot les monstres tout le temps. C'est vraiment le tutoriel. Donc, dans le tutoriel, on va pas vous tuer non plus. Sinon, ce sera un petit peu stupide. Donc, on y va tranquille. Après, on va commencer par des boss de plus en plus sérieux. Ouah, le critique, ça, maman. Ah, j'ai dépassé les 100. Donc là, il faut que j'enchaîne les compétences pour faire pop un flux cristallin, c'est ça ? On va... Je sais pas combien il faut, en fait. Non, c'est pas bon, là, toujours pas. Je vais essayer. Il y a un genre de truc chelou, là. Truc vapeur. Ok, toujours pas. Ah, cool, nice. 2 gouttes de roseuse lumineuse. Ah, voilà, flux cristallin développé. Maintenez les boutons LR. Et j'ai... Ouais. Aïe. Défense physique d'Exéco diminue. Défense magique diminue. État brûlure. À tout R, c'est quoi ? Bam! Donc, qu'est-ce que ça fait? Oh, ça rajoute des dégâts. Oh, ça l'endort! Oh, t'es sérieux? Ouah, c'est OP les flux cristallins! Et du coup, en taille lunaire là, c'est normal qu'elle était en jaune. J'ai l'impression qu'il y avait un bonus parce que ça devait être de type R. Ah, là, on va commencer à chercher de la stratégie. Donc, bien sûr, chaque classe a ses propres compétences à débloquer. Et un petit peu comme Bravely Default, mais je rappelle que Bravely Default, ça a été développé par les mecs de Square Enix, forcément. Bah, vous savez que quand vous maxez des compétences, au bout d'un moment, c'est des compétences qui peuvent être rééquipées sur d'autres classes. Et je pense que le Freelancer doit être une classe où, finalement, vous mettez 8 compétences que vous souhaitez. Je suppose, bien sûr, hein, c'est pas... Faut que je fasse start, c'est ça? Ok, ça rentre tout seul. Donc, ça, c'est plutôt bien. Bon, les giles, ça monte doucement. Ah, ça récupère facilement les compétences pour les crafts, pardon, je veux dire. Enfin, je sais pas, ça se trouve, il en faut 70, donc je dis ça. Ne parle pas trop vite, Exeleco. Sauvegarde, ok. Bon, je maîtrise le flux cristallin, hein, c'est tellement facile, c'est inné chez moi. Bon, tu assures pour le flux cristallin, mais comment tu te débrouilles avec les compétences évoluées? Ah, voilà que ça m'intéresse. Quand un flux cristallin est activé, les compétences utilisées peuvent parfois évoluer. Tu peux ensuite apprendre ces nouvelles compétences évoluées. What? Une fois ce certificat en poche, tu as affaire des étincelles ici à Omostra. Retourne voir Mario pour obtenir un certificat de compétences évoluées. Mais voilà, regardez, on va débloquer pas mal de nouvelles choses. Plus qu'un test à passer, le certificat de compétences évoluées, et tu es presque, c'est pas le moment de flancher. Faire évoluer une compétence. Bon, eh bien, déjà, on va passer sur quelque chose d'assez intéressant. L'évolution de compétences que je ne connais pas du tout, que j'en ai pas entendu parler, parce que je me suis quand même renseigné sur le jeu, mais ça, je ne sais pas trop ce que c'était. On va voir.
Oh, je sens que la New 3DS est en train de chauffer. Alors, les compétences évoluées sont des compétences renforcées, c'est ce dont je parlais tout à l'heure sûrement, par un flux cristallin. Celles-ci sont utilisables durant un flux cristallin si la couleur d'une compétence change. 1. Attaquer un adversaire avec des compétences pour augmenter votre résonance. 2. Lorsque la résonance s'est élevée, activez un flux cristallin. Durant le flux cristallin, si la couleur d'une compétence change, utilisez-la pour la faire évoluer. Ok, donc on y retourne, on va réitérer la même quête, mais cette fois on a compris le système, donc ça va être beaucoup plus simple. Je te claque de l'état lunaire, ma gueule. Allez, on va passer... Bon, finalement, la touche X, vous pouvez enchaîner les mobs comme ça, c'est même génial, quoi. Vous avez même plus besoin... Oula, il commence à lancer des compétences, faut peut-être pas déconner. Ça cible très vite d'un monstre à l'autre, c'est génial. Même pas besoin d'avoir la caméra. Alors, quelle est la portée? Oh, bah ça va, ça porte loin. Allez, bon, vivement qu'on ait des adversaires un petit peu plus coriaces quand même, hein, parce que là, sinon, ça va pas être toujours très facile. On a une heure. Bon, ça va, pour tuer des gobelins, je vais m'en sortir. Ok, il y en a là-bas. Ouais, ça capte très très loin, hein, donc le monstre le plus proche, on est large. Et la résonance diminue pas tant que ça, donc c'est plutôt cool. Ok, donc il faut un truc cristallin d'air, j'espère. Ok. Alors. Hop, il faut. Là-bas. Oh oui, non, mais ça cible loin. C'est nickel chrome, ça. Voilà, parfait. Toujours pas, par contre, de. Si celui-là, je le sens bien, ça va être le bon. Allez, donne-moi ton flux cristallin. Voilà. Et donc, les deux à tout feu. D'accord, et donc là. En taille lunaire a changé. Ouah, 225 points de dégâts en plus. Alors par contre, je suppose... Est-ce que je peux trouver un mob vite? Je vais essayer de trouver un mob, je suis sûr que ça brûle. Alors du coup, l'air ça endort. La glace ça doit geler peut-être. Le feu. Et qu'est-ce qu'il y a, la foudre je crois aussi. Il n'y a plus de monstres. Non, rendez-moi mes monstres. Vous êtes méchants. Bon, bah start. D'accord, donc les compétences évoluent comme ceci. Donc avec les atouts qu'on peut récupérer, avec les flux cristallins, ça remodifie les compétences qu'on a. Alors c'est peut-être pas toutes, hein, parce qu'il y a peut-être déjà des compétences qui ont des types. Je suppose que si vous faites brasier avec un mage noir, forcément ça va pas si vous avez un flux cristallin de glace. Je pense pas que ce soit en corrélation, quoi. Dis donc, tu as du talent, toi. Tu es maintenant membre de la guilde des explorateurs d'Amostra. Avec ton certificat en poche, tu peux accéder au comptoir des quêtes. Désormais, tous les établissements de Libertas te sont accessibles. Si tu veux acquérir des compétences, va au cristal central sur la place. C'est là que tout se passe. La moitié d'Amostra est encore inexplorée. À toi de trouver la route qui mène au grand cristal. Je te conseille de parcourir notre île en t'entraînant avec les quêtes du comptoir. Sur Amostra, tu trouveras des explorateurs indépendants comme toi, mais aussi plein d'aventuriers et de mercenaires. Il en arrive tous les jours. Si j'ai du nouveau, je te tiendrai au courant. N'hésite pas à revenir me voir. Je suis sûr que tes talents seront bénéfiques à notre île. Alors, what? Vous avez débrouillé de nouvelles classes. Chevalier, moine, chasseur, mage blanc et mage noir. Ah, moine ou chasseur? Ah, chevalier, non, 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 le truc caché derrière un bouclier. Ah, il y a plein de quêtes, là. Moine, chasseur, ça me tente, les deux. Donc là, on a plein de quêtes. Oui, oui, ok. Une fois le certificat de la guilde en poche, vous pouvez accéder aux différents services de Libertas. Événement, établissement, joueur, joueur allié. Ok. Voilà. Magasin, atelier, voyante, bureau des tâches, cristal central. Ok. Changer de classe. Dans le menu principal, choisissez l'option classe, puis la classe que vous voulez utiliser. Les modifications de classe s'effectuent à Libertas. Alors, classe. Donc là, on a le chevalier. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 classes pour l'instant. Il y en a peut-être d'autres, je sais pas. Alors, on a compétences latentes. Compétences de classe pour occasion. On a d'autres compétences latentes, ok. À moins qu'il n'y ait que 4 compétences par classe, je ne sais pas. Et que du coup, c'est 4 autres que vous mixez.
Alors, chasseur accroît le taux de coup critique et d'infliction d'altération d'état et la précision, c'est pas mal. Maintenez le bouton d'appui pour plus d'énergie. Œil de faucon accroît la portée des attaques qui lancent des projectiles et la précision. J'aime bien ça. Et moine augmente l'attaque. Appuyez le bouton appuyé pour plus d'énergie. Maintenez le bouton appuyé pour plus d'énergie. Permet de tenir bon si l'attaque de l'ennemi n'inflige pas des dégâts importants. D'accord, donc c'est sûrement un personnage qui peut maintenir quand même les hitstun. Bah écoutez, moine, ça me tente bien parce que freelance, voilà, permet de s'équiper de n'importe quelle arme. Mage noir, vous connaissez, c'est le dégât par défaut des sorciers. Allez, je suis moine, mon gars. Ah oui, par contre, j'ai plus rien. Ah oui, non, mais j'ai plus rien, ok. Je suis à poil. À poiltitude. On donne des missions aux autres. Ces tâches font travailler... Tu peux attribuer des tâches à des monstres ou alliés ou encore des amis explorateurs. Ah oui, il a bien fait d'en parler. En fait, vous pouvez jouer en solo dans le jeu. Et vous pouvez, je crois, dompter des monstres que vous rencontrez. Et vous pouvez en avoir 3 avec vous. Ça correspond à 3 joueurs. Et en fait, les monstres, bah, vous pourrez les envoyer en tâche, en mission comme ça. Ou les avoir avec vous pour vos missions, si j'ai bien compris les explications. Lorsque tes alliés ont effectué leurs tâches, c'est toi qui gardes leur récompense. Si tu as envie d'essayer cette technique, tu sais où me trouver. Attribuer les tâches, paramétrer Street Pass. Les tâches permettent d'envoyer des monstres alliés ou des joueurs, machin. Il n'est possible d'attribuer qu'une tâche à la fois, attendez qu'elle soit terminée. La tâche est accomplie quand c'est nul. La durée maximum peut être réduite en fonction des joueurs et des monstres alliés à sélectionner à la tâche. Il est possible d'attribuer la même tâche à un maximum de 8 alliés. Waouh! Essayez de choisir ceux qui possèdent l'attribut ou la classe recommandée pour effectuer cette tâche. Ça, c'est le truc à Next. Choisissant des alliés qui possèdent l'attribut de la classe recommandée, vous pouvez réduire encore plus la durée de la tâche. Cependant, une tâche peut coûter des gils en fonction de la qualification et du nombre d'alliés à qui vous l'attribuez. Ok. D'accord. Bon, bah, ça me parle, ok. Alors non, je quitte. Bravo, tu as obtenu tous les certificats. Je vais t'expliquer ce que sont les quêtes de guild. Pour accepter une mission, choisis une dans les quêtes principales. Pour accomplir une quête, tu devras remplir un ou plusieurs objectifs. Si tu y arrives, tu obtiendras une récompense. Il y a d'autres choses à savoir, mais je t'en parlerai après. Avec ton talent, tu vas écrouler sous les demandes. Vive les missions et les récompenses. Ok, vaincre 5 gobelins. Bon, je vais prendre cette quête. Parfait. Maintenant... ah, voilà, c'est là. Voyante. Bienvenue chez Adidas de Bonne Aventure. On dit que la chance sera avec toi si je te lis les lignes de la main. Tu n'as pas envie de savoir ce que le futur te réserve? Alors, les pièces de jeu ou les gils dépensées pour connaître les visions de la voyante sont généralement rentables. Une seule vision est active par quête. Ah d'accord, c'est un bonus. Même si vous n'avez pas sauvegardé votre partie, vous ne pouvez dépenser que le nombre de pièces de jeu calculées par la console Nintendo 3DS. Ok, on va tester. Attends, je sens quelque chose. Ah, quel dommage. Gilles obtenu niveau 1, donc je vais obtenir plus de Gilles dans la quête. Ok. Bienvenue dans notre atelier, ici on fabrique n'importe quel type d'équipement. Si tu apportes des matériaux, je te synthétiserai de nouvelles pièces d'équipement. Je peux aussi améliorer celles que tu possèdes déjà. Pas de problème, si tu as besoin d'équipement, tu sais où me trouver. Alors ça, c'est pour synthétiser les nouvelles pièces. Combiner les matériaux, donc c'est ici qu'on craft. Ok, chaque accessoire est unique car il possède des effets latents et des attributs propres. C'est bien. Chaque pièce d'équipement synthétisée possède ses propres effets latents. Ces effets ne peuvent pas être modifiés ou améliorés. Renforcez vos armes et vos pièces d'armure avec des matériaux. Ceux-ci coûtent des points de compétences. Les matériaux sont des catalyseurs qui améliorent les attributs de votre équipement. Les magilites et les atmalites permettent d'ajouter de nouveaux effets latents. D'accord, améliorer les attributs. Selon la rareté du matériau utilisé, il est parfois nécessaire d'en utiliser plus d'un à la fois pour renforcer votre équipement. Rajoutez un effet latent à une arme ou une pièce d'armure avec un magilite ou un atmalite qui jouera le rôle de catalyseur. Si l'équipement possède déjà un effet latent, celui-ci sera remplacé par le nouveau. Si vous ajoutez un effet latent similaire à celui que l'équipement possède déjà, l'effet sera renforcé. Ouh. Ok. Bon, pour l'instant, j'ai rien, donc je suis à poil. Hello. Boutique d'objets, tu auras ça nulle part ailleurs. On rachète aussi si tu as plus besoin. Donc ça, bon, c'est le magasin. Hein. Acheter. Armes. Point en métal. Donc du coup, on voit tout de suite que l'épée bâtarde fait plus de dégâts. La précision physique est meilleure en moine. L'attaque magique est meilleure. Meilleure heal. Bon. On va acheter ça. Oui. Confirmé. Et l'arc fait peu de dégâts. Au final, c'est le guerrier hein, qui a le plus gros dégâts. PV max plus 500. Et là, on a défense plus 8.
Défense plus 10 sur l'arc. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un moyen... Ah oui, il y a encore plus de stats ici. Ah, on a des armes spécialisées. Caractéristiques de base. Oui, donc je suppose que sur les moines, c'est plus élevé. Est-ce qu'il y a un... Ah, voilà. On a un visuel. L'épée bâtarde que j'avais tout à l'heure. C'est vraiment les armes de base. C'est moche. Mais c'est les armes de base. On veut des armes épiques légendaires comme celle de Tidus, hein, juste en dessous, là, bien sûr. Tunique de base, culotte de base. Mais ça, j'en ai pas, t'es sérieux? Je dois pouvoir les avoir, ça. Faut pas déconner, quand même. Voilà, j'ai quand même tout ce qu'il faut de base. Ok, donc les pièces vont avoir les custom. Donc on a la main droite, main gauche, tête, torse, jambes, accessoires. Et on a encore un petit bonhomme là-bas, je vais courir. Qui es-tu, toi? Le petit Mog. Je suis au courant, Kipo. Félicitations pour ton certificat. Tu sais quoi, je t'offre ça pour fêter ta réussite. Je suis sûr que ça te sera utile, Kipo. Oh, une plume de phénix pour ressusciter, bien sûr. Quel bel endroit, n'est-ce pas? Tu devrais te reposer et apprécier ce soleil. Alors par là, on a, il y a l'air d'y avoir une genre d'arène. Genre de truc de méga haut level, donc on ira plus tard, sans doute. Là, on va aller faire la quête avec notre nouvelle classe, avec notre nouvelle compétence... Avec notre nouvelle arme. Et ça, donc, c'est... Les compétences s'apprennent en dépensant des PC au cristal central. Ok. Compétences évoluées, notées. Les nouvelles compétences évoluées sont notées au cristal central. Choisissez-les pour les apprendre. Vous pouvez noter jusqu'à 300 entrées. Au-delà, les compétences les plus anciennes seront effacées par les nouvelles. What? Ah, t'es obligé de faire un build de compétences. Tu peux spécialiser. Tu peux faire évoluer tes compétences, mais pour 300 points. Du coup, tu peux pas tout faire évoluer. Pour éviter que les compétences ne soient effacées, sélectionnez l'option garder. Oubliez des compétences évoluées. Dans l'écran vérifier oublier, il est possible d'oublier des compétences évoluées apprises dont vous n'avez plus besoin et de les transformer en PC. D'accord. Et on peut modifier le nom d'une compétence évoluée. Ok. On peut apprendre soin, guérison, eau, feu, glace, foudre, poison, point foudroyant. Ah ah ah. Oui. Inflige des dégâts physiques, donne 4 coups de poing, la puissance des coups augmente si l'attaque n'est pas interrompue. Riposte en infligeant des dégâts physiques et parfois l'altération d'état stop. Si la riposte atteint la cible, le coup suivant sera critique. Ouh, ça me plaît ça. Permet de faire un saut arrière et de récupérer les PT utilisés au cours des 4 dernières secondes. Moi j'achète. Oh, vrille perçante maintenant. Inflige des dégâts physiques, donne un coup de pied vers l'avant en sautant, sa puissance augmente s'il tire parti d'un point faible. Moi, je vais déjà prendre la riposte. Ok. Permet de récupérer les PT utilisés au cours des 4 dernières secondes, mais c'est technique ça. Bon allez, j'ai quand même claqué ma thune. Compétences évoluées, apprendre. En taille lunaire. Ah, d'accord. Donc là, en fait, j'ai l'entaille lunaire d'air que je peux améliorer sans doute en boostant. Non. Et du coup, ça, je peux continuer à les booster encore et encore et augmenter, par exemple, la puissance de l'attaque en air ou en feu. Alors, c'est propre avec chaque compétence et vous pouvez avoir 300 niveaux max. Non, vous pouvez avoir 300 compétences apprises, 300 notées max, ouais. Ah d'accord, vous pouvez avoir 300 compétences différentes. Alors sachant que t'imagines si t'as 4 éléments, pour chaque compétence t'as 4 éléments. Donc entaille lunaire, foudre, air, feu, glace. Donc ça t'en note 4 déjà pour une compétence. Et après tu peux en apprendre jusqu'à 300, t'as 300 niveaux aussi. Bon bah c'est pas mal tout ça, maintenant on va aller faire la quête, on va voir tout ce qu'on a appris. Et on va pouvoir tester nos nouvelles compétences sur des gobelins. Alors vraiment, après, il faut savoir que les boss, c'est les Edelon. Il y a aussi un aftergame, une fois que vous avez fini, semblant d'histoire principale. Putain, j'ai acheté des trucs pour rien, je les ai pas, méditation. C'était des trucs qui étaient pas pour ma classe. Non! Ah,
L'attaque magique de Xeleko augmente et l'attaque physique aussi. Ok, c'est une classe de bourrin de corps à corps. Alors, j'ai acheté tellement de ressources pour rien. Et là, c'est... je me sens pas bien. Alors, par contre, pour monter les... C'est chaud avec lui, comment tu fais? Tu spammes la méditation? Oh, j'ai peut-être pas pris la bonne compétence, les gars, parce que pour monter la résonance... Mais en même temps, je comprends. C'est une classe physique. Donc, du coup, finalement, la résonance, c'est pas rentable pour lui. Parce que la résonance, c'est de lancer tout le temps des sorts, quoi. Alors, je sais pas jusqu'à combien je peux cumuler le truc, par contre. J'ai l'impression que ça montre plus. Oh! J'ai fait un point de feu, là. Si je maintiens chargé... Oh, je sais pas. Je sais pas trop. Ouais, il m'a fait mal. J'ai oublié de ramasser mon truc là-bas. Bon, bah, j'ai acheté les mauvaises compétences pour le moine. J'ai un peu les boules. Finalement, j'ai peut-être acheté les compétences du guerrier. Pourtant, il me semblait qu'en vert, ça serait pour ma classe. À moins que j'ai peut-être pas le niveau encore pour les utiliser. Parce que là, sur R, je vois pas. Ok, bon, bah, on a gagné. En tout cas, voilà, vous avez le premier petit aperçu de ce que sera Final Fantasy Explorer. Bien sûr, on va débloquer les compétences, moi je vais jouer de mon côté. Vous voyez qu'il y a les Edelon en dessous. Alors je compte vous réserver une vidéo pour chacun des Edelon. Alors les Edelon de base, parce qu'après en aftergame, faut les faire en multijoueur, parce que ça reste des méga boss, quoi. Donc d'ici là, je vais XP, d'ailleurs... Je vais faire sûrement pas mal de live et jouer avec vous, parce que je rappelle que ça peut être joué en coop à 4 joueurs. Donc j'inviterai sûrement des gens sur le chat. Et donc voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Et puis on se retrouvera pour une petite vidéo à nouveau, une fois que j'aurai avancé un petit peu dans le jeu. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, prenez soin de vous.